Aujourd'hui sur Roblox Brookhaven, je vais devoir survivre à la pire babysitter de tout Roblox Brookhaven. Reste bien jusqu'à la fin car tu n'es vraiment pas prêt, elle va me faire des trucs vraiment horribles. Mais juste avant, et si tu ne likes pas et que tu ne t'abonnes pas dans les 5 prochaines secondes, tu perdras tous les Robux que tu avais sur ton compte Roblox. A ta place, je m'abonnerai pour avoir plein de Robux. Donc à ta place, je m'abonnerai. Et ce que je vais faire en premier temps, c'est que je vais essayer de me faire un gâteau. Et là, j'ai tout dans mon frigo pour me faire un gâteau. J'ai une tablette de chocolat puisqu'on a besoin de chocolat. J'ai du lait parce qu'on a besoin aussi de lait pour faire un gâteau. Et bah c'est à peu près tout en fait, il n'y a besoin que de chocolat et de lait pour un gâteau. Donc bon, on va fermer le frigo et on va mettre tout ça à cuire là-dedans là. Allez hop là, on met le chocolat et la bouteille de lait à cuire. Et attendez, mais j'entends des bruits derrière moi dans l'escalier là, qu'est-ce qu'il se passe? Et oh, c'est mon papa qui descend. Salut papa, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire un gâteau avec le four là. Et je fais pas du tout cramer ta cuisine pour une fois, je crois que j'ai progressé en cuisine. Et il m'a dit quoi mon papa? Je dois aller au restaurant avec ta maman. Ok, apparemment les gars, le papa il doit aller au restaurant avec ma maman. Bah écoute, c'est plutôt cool franchement. Mais ça veut dire que moi je serai tout seul à la maison. Bah c'est cool en vrai, j'ai la maison pour moi tout seul. C'est à dire que je pourrais inviter mes amis, je pourrais regarder la télé et jouer aux jeux vidéo. Ça c'est beaucoup trop bien, c'est ce que j'adore faire honnêtement. Et bah écoute, c'est une très bonne nouvelle. Et comment ça non? Comment ça non? Comment ça je pourrais pas jouer aux jeux vidéo, inviter tous mes amis et tout là? Qu'est-ce que tu m'annonces là le papa? Comment ça non? Tu fais des bêtises donc? Comment ça je fais des bêtises donc? Tu vas me ramener une nouvelle fois à l'orphelinat, c'est ça? Enfin, au centre d'adoption. Et la dernière fois qu'ils m'ont gardé, ça s'est très bien passé, c'est vrai. Tu peux m'y ramener en vrai. Je vais te prendre une babysitter. Oh non, tout sauf ça. Pourquoi tu veux pas que je roye au centre d'adoption? C'était vraiment trop cool. La meuf, elle m'avait adoré en plus au centre d'adoption. C'était vraiment beaucoup trop bien, ça. Pourquoi j'ai pas le droit d'y retourner une autre fois, là? Franchement, c'est beaucoup trop dommage. Jamais de la vie, tu vas tuer quelqu'un. Mais c'est mal me connaître, hein, franchement. Moi, je suis pas dangereux du tout comme type. Et puis d'abord, qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? Il me dit quoi, le daron? T'es le pire fils que j'ai eu et j'en ai eu qu'un. Bah, c'est vraiment pas gentil, ça. Oh là, c'est vraiment hyper méchant, les gars. Bon, moi, j'espère que la babysitter, elle va être bien. Quitte à que tu veuilles me prendre une babysitter, j'espère qu'elle va être plutôt cool. Et elle est où, la babysitter, que je puisse la rencontrer, là? Tu vas voir, elle arrive. Et bah, franchement, j'ai hâte de voir la babysitter. Allez, où est-ce qu'elle est, la babysitter? Ouh, baby. Oh non. C'est toi? Elle a dit quoi? Coucou Mevy. Ah, mais elle est vraiment horrible la babysitter. C'est elle. Je suis Elidia, la babysitter qui te fait du bien. Oula. T'es sûr qu'elle a l'air très gentille cette babysitter? Elle m'a l'air très étrange quand même. Elle a des grosses lunettes. Il m'a dit quoi? T'inquiète. Et le papa il dit quoi? Au revoir. Attends, tu pars déjà? Tu m'abandonnes déjà avec la babysitter? Oh là là, le papa il m'a déjà abandonné avec la babysitter juste là. C'est terrible. Et il a dit quoi? Au revoir le papy. Alors c'est pas un papy déjà, c'est mon papa pour commencer. Et ensuite, pourquoi t'es ma babysitter toi? Tu m'as pas l'air hyper gentille. C'est quoi en vrai? Peut-être qu'elle est gentille les gars, peut-être que je la juge un peu trop vite. On va faire quoi babysitter? On va faire à manger, let's go! En plus j'avais essayé de faire un gâteau, donc franchement c'est plutôt cool. Tout ce qui est faire à manger, moi je connais. On va manger quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Dis-moi. Moi j'ai franchement trop hâte de faire à manger là. On va faire des brocolis. Mais y a même pas de brocolis sur Brookhaven, qu'est-ce que tu me racontes? Et en plus j'aime pas du tout les brocolis, c'est pas bon. Je veux pas manger des brocolis, ça va pas? Oh non, c'est vraiment horrible. Et... Ah! C'est que ça qu'on a le droit de manger? Une assiette d'épinards? Bon, moi, il y a du poulet, c'est plutôt cool, le poulet. On a le droit au poulet, quand même. Ou j'ai le droit vraiment qu'au brocoli? Parce que si c'est que les brocolis, mange pas le poulet. Quoi, j'ai le droit qu'au brocoli? Mais c'est horrible, je veux pas manger des brocolis, moi. C'est franchement pas bon. J'ai pas le droit de manger le poulet, c'est ses cuisses à elle. Oh non, le poulet, apparemment, il est que pour elle. Oh, c'est vraiment trop nul. Bon, bah... manger, visiblement, c'est mort. Bon bah moi je vais partir, je vais monter à l'étage, je vais aller jouer un coup à la console là. Et non, je mangerai pas ton assiette, elle est pas bonne. C'est faux, je ne mangerai pas. Non mais elle est franchement horrible son assiette. Elle veut que je mange un truc tout vert dégueulasse. Bon, moi en tout cas, je vais me poser un ordinateur, hop là, juste ici. Et on va commencer à jouer à Roblox. Allez c'est parti. Et mais pourquoi tu me voles mon ordinateur? Eh, je voulais jouer à Roblox, c'est franchement pas cool là ce que tu me fais. Pourquoi tu commences à me voler mon ordinateur? Je vais te mettre un mot de passe. Mais je veux pas de mot de passe moi. Je veux jouer à l'ordinateur, à Roblox. Je joue à Brookhaven. Et Fortnite, voilà, Fortnite aussi, c'est cool. Et où est-ce qu'il est Brookhaven? Voilà, là il y a Brookhaven, laisse-moi jouer à Brookhaven. Pas à Fortnite. Mais pourquoi? Moi je veux jouer à l'ordinateur. Pourquoi tu m'empêches de jouer à l'ordinateur, la babysitter? Pas d'ordinateur, pas de PC, oh non. Elle m'a dit j'ai que le droit de bouffer du lait. Mais c'est vraiment pas gentil, pourquoi ta babysitter, elle veut que je bouffe uniquement du lait et des brocolis? C'est vraiment pas cool du tout. Elle est sérieuse cette babysitter, je vais pas me laisser faire moi. Hop là, t'as plus d'ordinateur, je reprends l'ordinateur et je me le remets là. Hop là, comme ça je peux jouer à l'ordinateur.
Non mais elle est vraiment trop méchante celle-là. C'est plus ton PC. Et oh, il y a mon petit frère qui arrive, let's go. Petit frère, pitié, sors-moi de cette babysitter, là j'en ai marre. Elle est trop méchante, elle veut même pas que je joue à Roblox, c'est vraiment trop horrible. Elle est vraiment beaucoup trop méchante. C'est qui elle? C'est la nouvelle babysitter. Papa il nous a laissé avec cette babysitter horriblement méchante. C'est vraiment beaucoup trop pas cool du tout ce qu'il a fait là, c'est vraiment hyper pas cool. Il nous a abandonné avec elle. Ouais, c'est une random vraiment nulle celle-là, elle est vraiment méchante. Et il a dit quoi? Petit frère. Hein? Mais c'est pas ton petit frère, c'est mon petit frère déjà. Toi t'es la babysitter. Et elle a dit quoi la babysitter? Va te coucher, il est 3h du matin. De Brookhaven? Mais il est pas du tout 3h du matin là. Le ciel il est tout bleu. Les gars, il fait totalement jour, le ciel est complètement bleu. Et la babysitter, elle dit, il est 3h du matin. Mais tu dis n'importe quoi, toi, la babysitter. Si, ferme-la. Non, c'est faux. Il est pas 3h du matin, il est midi. On va pas aller dormir à midi. Si, ferme la porte et va dormir. Mais j'ai pas envie de fermer la porte, là. Franchement, ah non, elle m'a dit, ferme-la. Mais elle est vraiment trop méchante. Elle veut que j'aille dormir, déjà, les gars. Alors que c'est encore la pleine journée. Oh non, c'est vraiment trop nul. Bon, bah apparemment, on doit aller dormir, petit frère. Franchement, elle est trop méchante cette babysitter. J'ai pas envie d'aller dormir en plein jour moi. Bon, au moins dans le lit, elle me laisse tranquille, c'est déjà plutôt cool. Ici, je serais pas dérangé. Et par contre, faut vraiment que je trouve un moyen de me débarrasser de cette babysitter là parce qu'elle est beaucoup trop horrible. Et oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait devant ma porte là, babysitter? Pourquoi elle attend encore devant ma porte? Qu'est-ce qu'il y a madame la babysitter? Elle m'a dit quoi? Oula, elle a l'air énervée, elle a marqué plein de hashtags. Pourquoi elle est énervée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit quoi? Tu dois te doucher? Mais je croyais que je devais dormir. Tu m'as dit qu'il était tard. Et que je devais aller dormir. Alors que d'ailleurs il fait toujours plein jour. Va te doucher. Mais elle est sérieuse celle-là. Et toi t'es ok avec ça petit frère? Tu t'es ok pour aller te doucher? Mais c'est n'importe quoi ça, on va pas aller se doucher maintenant alors qu'il est en pleine journée. Et elle m'a dit quoi? Tu pues, va te doucher. Bon bah visiblement. Et elle m'a dit quoi lui? Vas-y tu schlingues. Mais t'es vraiment trop méchant toi petit frère. Il est sérieux celui-là? Il me dit vas-y tu schlingues. J'avoue, tu schlingues, non mais il est vraiment trop méchant. Vite, bon bah ok, je vais me doucher hein, si je suis vraiment forcé. C'est quoi cette famille de fous furieux? Pourquoi ils disent que je schlingue et que je dois aller me doucher? Et oh, il y a encore mon ordinateur devant la douche. Je peux pas jouer à Roblox plutôt qu'à me doucher? Je préfère vraiment Roblox. Ton petit frère, il sera super bon et pas de PC. Oh non. Et en plus, elle vient de me retirer l'ordinateur. Non mais c'est vraiment une dinguerie ça par contre. Elle ne veut vraiment pas que je joue à l'ordinateur, cette maman. Va te doucher. Bon bah ok, je vais me doucher. Et c'est quoi? Il y a une douche ici? Ok, on va allumer la douche. Allez, on prend une douche. Et oh là là, par contre, si on m'a dit que je devais prendre une douche, et ben lave-toi bien les aisselles. Mais tu vas pas sortir toi pendant que je me prends une douche? Et arrête de faire caca, mais c'est dégueulasse. Comment ça tu fais caca pendant que je prends une douche? Eh oh, tu sors de là toi. Sors d'ici tout de suite. Non mais oh, c'est quoi cette babysitter complètement folle? Je fais caca, ça fait du bien. Non non non, tu sors d'ici tout de suite. C'est hors de question là. Et toi aussi le petit frère, tu sors. Non mais c'est quoi ça? Et sortez d'ici tout de suite là. Moi je prends pas ma douche si vous restez ici. C'est hors de question. Non mais c'est quoi si? Et elle a dit quoi? Bon ok je sors mais dépêche-toi. Oui bah allez-y sortez. Et elle fait du skateboard en intérieur en plus la babysitter. Non mais c'est n'importe quoi. C'est là, c'est franchement elle se prend pour je sais pas qui la babysitter. Et toi aussi le petit frère tu sors là. Allez hop là vite. Bon moi je vais aller prendre ma douche en tout cas. Et mais elle est hyper froide l'eau, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous êtes revenu vous? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'eau est hyper froide là dans la maison? Qu'est-ce que vous avez fait à l'eau de la maison? Le petit frère vient, mais pourquoi tu lui dis de venir? Et pourquoi l'eau de la maison est hyper froide? J'ai changé l'eau, mais t'es sérieux toi? T'as coupé l'eau chaude exprès pour que j'ai froid? C'est vraiment trop méchant ça. Et toi va essayer la douche le petit frère, vas-y on verra si tu kiffes ça. Et c'est la douche. Et regarde comment l'eau elle est froide. Et bah voilà, t'es en train de prendre une douche, tu vois qu'elle est froide. Alors? Ah bah voilà, tu vois qu'elle est froide. Même le petit frère il trouve l'eau de la douche complètement froide. T'es vraiment horrible comme babysitter. Bah oui c'est froid. Pourquoi elle a mis une douche aussi froide là? Elle est complètement folle celle-là. Pas besoin, le petit frère sent bon. Ouais bah même s'il sent bon, ton eau elle est hyper froide toi. T'es complètement folle franchement. Les gars faut vraiment que je parte loin de cette babysitter là. Elle est hyper folle. Déjà elle veut pas jouer aux jeux vidéo. En plus elle me menace pour prendre une douche. Et ah pourquoi elle a une arme? Qu'est-ce que tu fais avec une arme la babysitter là? Qu'est-ce qui se passe? Petit frère pourquoi la babysitter a sorti une arme dans ses mains? Oula, sortez de ma maison. Hein? Mais elle nous vole la maison, la babysitter. Mais elle est sérieuse. Sortez. Mais attendez, mes petits frères, pourquoi la babysitter, elle veut qu'on sorte de la maison? C'est quoi, ça? Elle est vraiment trop méchante. Moi, j'ai pas envie de sortir de la maison, là. Je sais pas. Bah, c'est mort, je sortirai pas de la maison. Non, mais elle est vraiment trop méchante. Oust. J'ai pas envie de sortir, moi. Elle est folle. Ouais, elle est folle. Il a raison, le petit frère. Il a dit, elle est folle. Sortez. Mais je veux pas sortir moi, c'est hors de question. Et d'abord c'est la maison de notre papa, c'est pas ta maison à toi. Non mais oh, t'es complètement folle la babysitter là. Tu crois on va te laisser la maison? Sinon elle va tirer avec l'arme. Ok ok, on sort, tu sais quoi, tu vas faire quoi? Moi, je crois on a pas trop le choix là, on doit sortir de la maison. Oh là là,
C'est vraiment horrible, on se fait dégager de notre propre maison, mais c'est vraiment la pire babysitter ça. Allez petit frère, vite on sort, elle a une arme en plus, elle est dangereuse. Elle se met à tirer de partout, elle est beaucoup trop dangereuse. Ah, faut la fuir, elle va nous tirer dessus. Au secours! Attends, petit frère, essaie de nous trouver un truc pour nous défendre là. Et oh non, maintenant elle bloque la porte. Qu'est-ce qui se passe, madame la babysitter là? Vous voulez plus qu'on sorte de la maison? Pourquoi tu veux plus qu'on sorte? Il y a 2 secondes, je croyais que tu voulais qu'on sorte. Avant de sortir, tu dois passer l'aspirateur. Pourquoi je dois passer l'aspirateur? C'est vraiment trop étrange. Bon, ok, oula, elle a une arme. Je vais passer l'aspirateur, vas-y. Allez, petit frère, on passe l'aspirateur pour pouvoir sortir de la maison loin de cette babysitter complètement folle. Vite, passe l'aspirateur. Elle est complètement folle, celle-là. Elle est fada. Elle nous fait faire des trucs de fou furieux, là. Ok, allez, c'est bon, on a passé l'aspirateur. On peut partir, maintenant. Et oula, elle a l'air d'énerver. Elle met plein de hashtags. Vite, petit frère, on fuit. On va l'enfermer dans la maison, là. J'ai pris les clés de la maison. Allez, fuis, petit frère. Et on l'enferme. Et oh non, elle a réussi à sortir. Vite, on fuit très, très loin. Les gars, cette babysitter est complètement folle. Et en plus, elle est beaucoup trop méchante. Sur ce, n'hésite pas à liker et à t'abonner à rejoindre mon groupe Roblox. J'ai tous un ami qui sont abonnés, qui rejoignent mon groupe Roblox et qui mettent leur pseudo en commentaire.